Attends, tu l'as rien là. C'est pas pour rentrer dedans, c'est pour écouter. Ils sont à toi. Mesdames, messieurs, bonjour. Je vous présente Simone. Simone, qui est une locomotive à vapeur, fabriquée par Decauville. Alors, Decauville, c'était un Français qui était également agriculteur à l'origine. Il avait un petit domaine de 700 hectares, donc c'est pas rien. Mais c'était aussi un passionné de mécanique, un passionné de modernisme, de machines. C'était le premier en France à faire déjà en 1860 du laborat avec des machines à vapeur. Et il avait un petit atelier de mécanique pour entretenir ses machines. Et il fabriquait également du matériel pour les distilleries. Il avait une trentaine d'ouvriers dans son atelier. En 1870, c'est le fils qui reprend les affaires puisque le père vient de décéder. Il n'a que 25 ans. Mais il a déjà des petites idées. Et déjà à l'époque, il envisage éventuellement de faire un petit train à taille réduite qui lui permettrait d'exploiter son domaine agricole. Et il faut bien voir qu'à l'époque, les chemins de fer se développaient, mais c'était comme la SNCF, des rails d'1m44, du gros matériel. Et 1875, ça c'est une année catastrophique, parce que l'automne est pourri, il pleut en permanence, c'est la récolte des betteraves, et il est impossible d'aller les chercher, parce que tout était trempé, les chariots sont en lice, c'est la catastrophe. Et là, de côté, reprend.